Avant d'entamer sa carrière d'acteur, c'est à Marseille que Jacques Seret fait ses classes. Il gagne sa vie comme employé de banque au Crédit Lyonnais de la rue Saint-Ferréol à Marseille, chargé de l'accueil des clients au palier de la direction. Il y côtoie de nombreux notables marseillais qui rendent visite à son illustre directeur, Louis-Bernard Dancausse, qui préside alors l'Olympique de Marseille et la Ligue française de football. L'accueil théâtral qu'il leur réserve ainsi que les tirades qu'il décline en entrant dans les nombreux services de la banque lui attirent la sympathie de tout l'établissement. Il laissera beaucoup de regrets à ses camarades lorsqu'il se rendra dans la capitale pour mettre ses talents en valeur. Il y rencontrera le succès ainsi que l'actrice Philippine Pascal, CF, Philippine de Rothschild, qui deviendra sa femme. Ils auront deux enfants, Camille née en 1962, Philippe né en 1963. Les enfants de Jacques Seret ont été autorisés, par décret des 12 octobre 1971 et 10 janvier 1972, à s'appeler Seret de Rothschild. Parcours professionnel, 1951 à 1955. Conservatoire national supérieur d'art dramatique 1955 à 1965. Puis 1977 à 1997. Sociétaire de la Comédie-Française depuis 1997. Nommé sociétaire honoraire.